Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'événement d'aujourd'hui. Avant de débuter, je voulais regarder quelques petits détails techniques avec vous. Premièrement, assurez-vous de fermer votre micro et de l'ouvrir seulement lorsque vous voulez intervenir. Pour le faire, vous pouvez cliquer sur l'icône prévue à cet effet dans le bas de votre écran à gauche. Par la suite, la transcription en direct est disponible pour nos événements. Pour l'activer, vous pouvez cliquer encore une fois sur l'icône prévue à cet effet. Pour les événements où cela s'applique, vous aurez accès à l'interprétation de l'anglais au français. Pour activer celle-ci, vous devez cliquer sur l'icône et choisir la langue désirée. Si vous avez des questions pour les panélistes et animateurs et animatrices durant l'événement, vous pouvez les poser dans la boîte « Questions et réponses » qui se trouve toujours au bas de l'écran. Pour clavarder avec l'ensemble des participants et participantes, vous pouvez utiliser le chat qui se trouve juste ici. Puis, pour lever la main, c'est juste ici. Nous vous invitons également à ajouter vos ou votre pronom entre parenthèses à la suite de votre nom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Bon événement! Donc, bonsoir, bienvenue au panel IWA Environnement. Je suis la fondatrice de Young Indigenous Women Action et je fais aussi partie de l'équipe du Hub. J'ai eu le plaisir d'organiser le panel de ce soir. L'objectif du panel est de vous faire entendre différentes perspectives de femmes autochtones impliquées à travers le Québec. Le tout est possible grâce à la collaboration Hub qui souhaite soutenir les organisateurs et organisatrices du terrain impliqués dans la justice sociale et climatique. Merci les filles d'être avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, à tour de l'autre, pouvez-vous me parler un peu de vous, d'où vous venez, votre parcours, comment vous avez commencé à vous impliquer dans les mouvements sociaux, puis c'est quoi vos motivations? On va commencer par Maïté. Maïté Sagrashin Fingasun, Waswanipi Yoinoni. Comme je viens de dire, je viens de Waswanipi, qui est une... Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, OK. je viens d'une communauté Cree à la Baie James, ici au Québec. Mon parcours, mon Dieu, j'ai commencé, je pense que j'ai commencé à m'impliquer quand même jeune, mais je pense que ça a déboulé un peu au cégep aussi en 2013 avec I Don't Know More. Je pense qu'avec les réseaux sociaux à cette époque-là, de voir que c'était vraiment un mouvement pan-national. Que ça touchait tous les Autochtones. Je me rappelle qu'il y a 7 jeunes qui sont partis il y a 6 jeunes qui sont partis de la communauté de Makchitoué, qui est une communauté Cree plus au nord d'ici, mais qui ont marché de Makchitoué jusqu'à Ottawa en raquette pour appuyer Therese Spence qui faisait une grève la fin sur la colline parlementaire. Je me rappelle à quel point j'étais fière d'être Cree quand les marcheurs sont arrivés à la colline à Ottawa. Ils sont partis 7, puis ils sont arrivés, ils étaient des milliers, puis j'ai trouvé ça tellement beau. J'ai trouvé ça tout au long d'I Don't Know More, en fait, cet élan de solidarité-là, puis le fait que je me rende compte de ce que je vivais à la maison, ce que je vivais dans ma vie à moi, c'était pas une coïncidence, mais c'était vraiment... C'était vraiment une question nationale. Ça me fait sentir vraiment moins seule aussi à l'époque. Donc, c'est là que j'ai commencé à militer. Ensuite, j'ai été dans mon asso étudiante au cégep pendant 3 ans. J'ai pris moi loup. Fait que c'est sûr que là, c'est là où j'ai beaucoup appris à faire de la mobilisation, à organiser des manifs, des choses comme ça. Des actions, donc c'est un peu, donc c'est après, je me suis en allée à Montréal, à l'université, puis éventuellement, je suis revenue chez moi parce que j'étais plus capable de la grande ville, et ici à Waswanipi, on est 2000 personnes, c'est vraiment une petite communauté, mais bon, il fallait que je retourne chez moi, il fallait que j'avais des choses à régler là-bas, puis depuis que je suis revenue, ça fait environ 4 ans que je suis à temps plein là, sur le territoire. Mais dans ma communauté d'origine à Waswanipi, là, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans le mois prochain. Ouais. Donc, mais maintenant, je travaille au Conseil Cree de la santé et des services sociaux. Donc, je suis sur l'équipe de com régionale là-bas. J'ai été élue commissaire scolaire aussi
pour Wassanipi pour siéger sur le conseil des commissaires de la commission scolaire créée. Donc, c'est moi qui advocate, c'est moi qui milite pour des ressources locales au régional, au niveau régional. Donc, aussi, je suis sur le conseil d'administration d'Execo. Je suis aussi sur l'Indigenous Advisory Council de la Société canadienne de l'hypothèque et du logement. Et je suis aussi chroniqueuse. Donc, il y a d'autres choses sur le site, mais bon, je pense que ça se résume à ça. Mais maintenant, tu sais, j'avais vraiment une implication avant qu'il était en milieu urbain, mais là, je travaille dans les services publics de ma nation. Les CRI, on est les seuls autochtones au Canada qui sont les seules Premières Nations, en fait, qui sont en plein pouvoir, qui ont le plein pouvoir sur leur système de santé. Donc, moi, je travaille dans... Je suis pratiquement... En fait, je suis fonctionnaire, mais pour les CRI, donc c'est quand même de travailler pour ma nation puis de me rendre utile pour ma communauté, ma nation à chaque jour. Je trouve que c'est... Je m'épanouis vraiment beaucoup là-dedans avec mon rôle aussi pour... sur la commission scolaire CRI. Donc, je me trouve plus utile dans ma communauté que je me trouvais utile en ville. Mais je continue d'écrire. Je pense que de la politique, ça se fait de plusieurs façons. Puis je pense que fondamentalement, mes prises de parole dans mes chroniques sont politiques. Voilà. Merci beaucoup. C'est un beau parcours. Merci d'être avec nous. Maintenant, on va y aller avec Olivia. Bonjour, je m'appelle Olivia. Je suis originaire de Kainsouk, mais je vis à Montréal depuis l'enfance. J'ai commencé à m'impliquer vers secondaire 5, à peu près avec Montréal autochtone, parce que c'était surtout une recherche d'une communauté. Étant autochtone en milieu urbain, et aussi quand je retournais dans mon village, dans le nord, les gens ne connaissaient pas nécessairement la réalité que j'avais, vu que je vis en ville. Et aussi, en ville, que constamment, on parle souvent comme si j'étais une extraterrestre, vu que je suis Inuk, que je viens du Grand Nord, et souvent, je dois répondre à des questions de base. Si on paye des impôts, si on vit dans des igloos, même encore aujourd'hui. Alors, c'était une quête de rencontrer d'autres personnes autochtones dans le milieu urbain qui pouvaient comprendre ma réalité, qui pouvaient comprendre les questions reliées justement aux réalités autochtones et être en ville. Alors, c'est surtout grâce à Montréal autochtone, j'ai commencé à... on avait fait une campagne contre la discrimination. Et par la suite, j'ai commencé à m'impliquer un peu partout. Et maintenant, je travaille à l'Institut culturel Avatak comme agente de programme. Dans le secrétariat des arts du Nunavik, mon emploi est d'aider les artistes du Nunavik à appliquer pour des demandes de subventions. Il y a des opportunités qui peuvent soit les aider dans la professionnalisation de leur carrière et toutes sortes, n'importe quoi relié aux arts du Nunavik pour les artistes. Je suis là pour les accompagner là-dedans, les aider dans leur démarche, dans les ressources et quoi que ce soit. Et c'est super enrichant. Parce que non seulement que je vois des œuvres régulièrement, mais je rencontre des artistes qui ont beaucoup à dire, qui ont des histoires familiaux, qui les héritages de leur communauté, que j'en apprends énormément. Et c'est un peu spécial, en fait, parce que, étrangement, j'en ai appris beaucoup plus sur ma culture en fréquentant ces artistes-là que lorsque je retourne dans ma communauté parce que ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup de membres de ma famille, ils ont vécu des choses incroyables, mais ils sont tellement humbles qu'ils n'en parlent souvent pas. Alors, c'est par bribes, des fois, que je réussis à en apprendre sur mes histoires familiales ou l'histoire de mon village même.
Et je me suis impliquée aussi avec Wapikon Immobile. J'ai réalisé 3 films avec eux. Et ouais, c'est ça. Merci. Merci, Olivia. On va passer maintenant à Wapikon. Coucou, garçon intérieur, tu garçon. Bonjour, je m'appelle Wapoko Mistorosho, je suis Inu de Equanichit. Mon parcours, j'ai été élevée par une mère qui travaille dans la politique depuis longtemps, puis qui est poète. Puis j'ai aussi grandi proche de mes grands-parents, c'est grâce à eux que je pense mon lien au territoire est fort. Puis, grâce à ma mère et sa poésie, l'a amenée à voyager partout dans le monde, à l'international. Puis, c'est grâce à elle aussi que j'ai l'école de la vie, j'ai voyagé, j'ai connu du monde. Puis, c'est là que ça a commencé, que je voyais plus grand que juste la communauté. Là. Puis que je voyais qu'il y avait d'autres autochtones partout dans le monde, puis que j'avais juste hâte qu'on se rassemble plus souvent. Puis mon parcours dans les mouvements sociaux, il y a eu le projet La Romaine, puis dans ce temps-là, j'avais pas encore 18 ans. Puis ça s'est voté par... Pourquoi ça s'est fait, ça s'est voté par vote, là, en tout cas, comment, je sais pas comment l'expliquer, mais... J'avais pas le droit de voter, j'avais pas mon mot à dire en tant que jeune, je me sentais pas incluse par rapport à cette décision. Et c'est ça qui a fait en sorte que, avec Wapikon Immobile qui est venu dans ma communauté, j'ai fait un film par rapport à la protection des rivières, puis c'est là que ça a déboulé, qu'on m'invite à parler de mon film, puis pourquoi la protection du territoire est pour moi c'est important, puis ouais, ça va être. Ça pour mon introduction. Là. Merci. Si jamais tu as le temps de mettre le lien vers ton film dans le chat, ça serait super le fun. Ah, j'ai accroché quelque chose. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, on va passer maintenant à Laura. Quitch pour regarder nous, que c'est moi derrière que nous m'aiment des taillants. Laura Fontaine de Negardomon Mac des Maloutenam Nunjin. Bonjour, je m'appelle Laura, je viens de Maloutenam. Moi, j'ai passé une grosse partie de mon enfance dans le Nutessinan avec mes parents, mes grands-parents. Ils ont beaucoup valorisé notre culture et notre langue, nous, puis nos traditions, puis ça a toujours fait partie de nos vies. Puis c'est avec leur enseignement que j'ai constaté comment le caribou est important dans notre culture, puis comment le lien sacré qu'on avait avec lui, dans le fond. Puis en ce moment, on constate un déclin des populations de l'art de Rivière-Georges. Puis je vois comment que ça affecte nos vies, puis nos traditions et nos cultures. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai voulu m'impliquer. Sur la Côte-Nord, on n'a pas vraiment, comme à Montréal, plein d'opportunités de s'impliquer avec des organismes comme à Montréal, dans le fond. Puis c'est entre autres à Montréal que j'ai pu m'impliquer pour la première fois, quand j'ai fait partie d'une cohorte Ensemble pour le climat. On était 15 autochtones et 15 autochtones qui étaient rassemblés, puis ça nous a fait connaître du monde qui avait un peu les mêmes préoccupations, puis c'est ça. Je pense que c'est à peu près ça, là. Parfait. Merci beaucoup, Laura, d'être avec nous ce soir. On va passer à la prochaine question. C'est quoi votre expérience en tant que femme autochtone? Puis, selon vous, ça implique quoi d'être une femme autochtone dans ce pays-là? Maïté.
Plusieurs choses, c'est, je veux dire, les statistiques d'horreur, là, on les connaît là, sur les femmes autochtones, sur la violence envers les femmes autochtones, les filles autochtones, les two-spirited people. Mais, tu sais, je veux dire, je pense que ça, on le martèle souvent, mais moi, dans ma communauté, en revenant dans ma communauté, tu sais, moi, je me suis sentie, c'était surtout pour me sentir en sécurité parce que je ne me sentais pas en sécurité à Montréal. Mais ici, je veux dire, mon cousin habite en face de chez moi. Le medicine man, il habite à 3 portes de chez nous. Mon oncle est sur l'autre rue. Mes cousines, je veux dire, on est une famille de 236 personnes là, en dessous de ma grand-mère. Là, donc, on est, dont une bonne partie vivent ici dans la communauté. Donc, je me sens safe. Mais aussi, je pense que dans mes... Moi, je suis retournée aussi en partie là, dans le Nord pour m'occuper de ma grand-mère à l'époque. Puis ma grand-mère, on l'avait beaucoup, elle avait 90 ans à cette époque-là, elle était presque aveugle. Puis c'est ma tante surtout qui s'occupait d'elle avec son mari. Puis c'est, la maison n'était pas adaptée, rien. Puis moi, j'avais décidé de devenir sober, de devenir sobre pour être la meilleure version de moi-même pour ma grand-mère. Parce que j'avais pas envie d'être genre hungover, j'avais pas envie d'être comme scrap à côté de ma grand-mère, mais surtout, je voulais être en mesure de pouvoir subvenir à ses besoins le mieux possible, que ce soit traduire pour les docteurs, traduire pour les infirmières, que ce soit juste lui masser les jambes, l'aider à marcher dans le couloir, lui faire son déjeuner le matin. T'sais. Puis je pense que, bon... Pour moi, ma grand-mère, c'est mon héros là, de tous les temps. Tu sais, je veux dire, elle a accouché de la majorité de ses 12 enfants en forêt, seule avec sa mère ou aidée par mon grand-père quand il était là. Accouchait dans le bois, à un moment donné, tu sais, il était en canot. Puis elle a dit, ah, désolé, je ne peux plus le retenir. Fait qu'ils ont fallu qu'ils sortent du canot pour qu'elle accouche, puis pour qu'ils ont mangé, puis ils sont rembarqués dans le canot, puis ils ont continué à voyager. Puis ça, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui a vécu les pensionnats. On lui a enlevé ses enfants. Il y a un de ses enfants qui n'est jamais revenu du pensionnat qui est mort là-bas. Puis, je veux dire, pour moi, c'était une dame qui était plus grande à ça. Donc, c'est quelque chose que j'essaie à mon tour d'honorer dans ma vie à moi. Mes tantes sont pareilles, sont plus grandes que nature. Se portent avec tellement de fierté et de dignité, malgré les horreurs qu'elles ont vécues, malgré les pensionnats, malgré la violence conjugale. Puis moi, je me rappelle que j'habitais avec ma tante Louisa, puis je la voyais se préparer le matin pour aller au travail. J'étais comme, moi, je veux être comme elle. Je veux avoir ce crest-là. Je veux avoir cette fierté-là, cette dignité-là. Puis, c'est pour moi, c'est ça être une femme autochtone maintenant, c'est être responsable de briser ces cercles vicieux-là, c'est garder nos familles solides, garder nos communautés solides aussi, dans tous ces défauts, mais aussi toutes ces qualités. Je m'implique aussi au Cree School Board et tous les commissaires, les 9 commissaires, on est tous des femmes de 25 ans jusqu'à dans la soixantaine. Puis je trouve ça fantastique que c'est nous qui portent ça un peu à bout de bras. La chairman, la présidente de la commission scolaire est une femme aussi. La DG est une femme. Donc je trouve que de plus en plus on occupe des postes importants dans le leadership. Puis je pense que les femmes, on a certaines qualités d'empathie, de compassion à la base. Puis je trouve que ça se transmet dans la manière qu'on défend nos communautés, mais aussi la manière qu'on défend nos territoires, qu'on défend nos ressources, puis qu'on défend nos traditions. Puis moi, c'est ce que j'essaie de pérenniser dans ma vie. Voilà. Merci, Maïté. Tu incarnes vraiment bien la vision de toi. Puis, c'est vraiment beau ton partage sur ta grand-mère puis sur les femmes autour de toi. Donc, Olivia?
Oui, alors pour moi, c'est ma vie professionnelle et ma vie personnelle, c'est deux mondes presque parallèles. Depuis que j'ai lâché le cégep, j'ai toujours été, je me suis toujours enlignée vers des milieux autochtones, des organisations autochtones. Alors, dans le milieu professionnel, j'ai toujours fréquenté des personnes qui connaissaient ma réalité, que je n'avais pas besoin d'expliquer et que souvent, tu sais, ça coulait bien, ça se passait bien. Mais c'est plus dans ma vie personnelle, étant métissée et ayant deux réalités, c'est là que c'est beaucoup plus difficile. J'ai eu pendant vraiment longtemps une quête identitaire parce que j'ai perdu les notes études que je parlais à 8 ans et que j'ai arrêté de le parler quand j'ai commencé à apprendre le français. Et aussi, le fait de vivre à Montréal et de ne pas avoir eu l'opportunité d'apprendre différents aspects traditionnels. Et tous ces questionnements-là et aussi l'œil extérieur des personnes extérieures qui, eux, se donnaient la permission de me dire si moi, oui ou non, je suis autochtone, si je suis Inuk ou quoi que ce soit. Ça a été surtout ça le défi, mais grâce à du soutien, grâce au cercle que je me suis développé avec le temps, j'ai réussi beaucoup mieux à gérer ça et à être bien dans mon identité et aussi à non seulement d'être l'Inuk partout où je vais, mais d'être Olivia qui aime les plantes, qui aime faire du perlage, qui aime les arts. Je ne suis pas juste mon origine ethnique et j'adore en apprendre sur les cultures à travers le monde. Et c'était surtout ça qui était difficile pour moi, c'est de faire en sorte que ma vie personnelle, les gens qui m'entourent, les personnes que je considère qui sont mes amis, qui sont proches de moi, c'est que... justement, que je ne suis pas l'Inuk, mais que je suis bien Olivia. Alors, c'est vraiment apaisant d'avoir ça, d'avoir pu créer un cercle d'amis qui comprennent justement ça et qui sont là aussi de mon bord quand, exemple, qu'on marche dans la rue et que des fois, il y a des hommes qui me reconnaissent comme étant autochtone et qui veulent m'approcher. Elles sont là avec moi et elles me soutiennent. Une sorte de protection, une solidarité féministe qui me rend plus confortable aussi. C'est des fois difficile avec la relation avec des hommes parce que c'est difficile de savoir si, comme d'un côté un peu plus amoureux, si un gars est intéressé réellement par qui je suis ou s'il est intéressé par moi parce que je suis une femme autochtone. Des fois, ça me rend... Des fois, ça me fait douter des hommes que je rencontre si... ils s'intéressent réellement à moi aussi s'ils ont comme un fantasme d'exotisme parce que ça c'est quelque chose que je vis régulièrement vivant à Montréal des fois même en prenant le taxi il y a le chauffeur qui m'a dit ah, j'ai jamais couché avec une indienne et par-ci par-là c'est très inconfortable alors et des fois c'est difficile à expliquer ça que non seulement que j'ai vu de l'harcèlement comme étant une femme, mais aussi parce que je suis une femme Inuk. Et il a fallu que certaines personnes le voient pour qu'ils croient. Et ça aussi, ça a changé certaines relations, ça a solidifié des amitiés, des personnes qui ne pouvaient pas nécessairement comprendre cette réalité-là. Mais j'ai la chance, par contre, au niveau de ma vie professionnelle, je n'ai pas à expliquer. C'est ça l'avantage aussi de travailler dans l'Institut culturel du Nunavik. Je n'ai pas à rien expliquer. On a un centre d'archives avec tous les livres qui concernent les Inuits. Alors, ça, je me sens vraiment chanceuse pour mon emploi. Merci, Olivia.
Je te file tellement, puis on se comprend. J'imagine que c'est pour ça qu'on est proches. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Wabukun. Pour moi, c'est quoi mes expériences en tant que femme? Ben, ça, les réalités par rapport au pensionnat, il y a beaucoup d'abus, pareil, des choses qu'on n'aime pas parler, mais c'est la réalité. Puis, moi, depuis un jeune âge, je sais quand même ce qui se passe, puis ce que je dois faire attention. C'est pas évident, pareil, de se dire c'est ce qui se passe dans nos communautés, puis on peut pas tout le temps se sentir en sécurité, en tout cas, c'est pas tout le temps facile. Puis de me dire que par rapport à ce qui se passe aux femmes partout au Canada, autochtones, je me dis, j'ai peur pour ma nièce. Je la surprotège comme on m'a surprotégée aussi. Des fois, on dirait elle aimerait ça avoir sa liberté. Puis, en tout cas, j'ai de la misère à la laisser aller. Là. Mais je ne prendrai pas trop de temps pour parler de tout ça. Les deux, avant qu'ils en parlent, ont quand même bien partagé l'ensemble. Là. Merci, Wabukun. Laura. Comme les filles ont parlé, l'ont dit, les violences qu'on peut vivre en tant que femme autochtone, mais aussi, je pense aussi à l'infantilisation qu'on peut vivre, mettons qu'on donne notre point de vue. Déjà, en tant que femme, on se fait infantiliser, mais encore plus en tant que autochtone. Puis, surtout ça que j'avais en tête, puis que moi, j'ai toujours été entourée de mes tantes, de mes cousines, ben pas mes cousines, mais surtout des tantes, les amies à ma mère que j'ai toujours considérées comme des tantes, puis qui ont tout le temps, encore, je le dis encore, mais qui ont tout le temps valorisé notre culture puis notre langue, puis je pense que ça m'a beaucoup aidée là-dedans. Là. Donc, moi, c'est ça. Merci. Merci, Laura. OK, prochaine question. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos enfin de mouvements auxquels vous vous êtes impliqués? Genre, par exemple, les passés de bons puis de mauvais. Oh, shit! Oh. Désolée. fait que c'est ça. Les points positifs, les points négatifs. Maïté? Ben, c'est sûr que moi, j'ai milité dans le mouvement étudiant en étant dans la sous étudiante. Des manifestations contre l'austérité, j'en ai fait en masse. Mais dans les manifestations d'automne, toutes les mouvements de défense du territoire, j'en ai fait partie depuis quelques années. C'est sûr que il y a aussi, quand j'étais à Montréal, j'étais beaucoup sollicitée dans des milieux féministes. Puis moi, ce qui me dérangeait un peu, c'est que ces communautés-là avaient parfois l'impression de qu'on tire la couverte un peu, puis disaient qu'on ne voulait pas que les démarches soient intersectionnelles. Tu disais, eux autres, moi, mais là, la pire condition, c'est être femme, puis c'est être femme en premier. Puis j'étais comme, ben, tu sais, la suprématie blanche ne connaît pas de genre. Donc, j'ai eu beaucoup d'expériences racistes dans des milieux féministes. Puis ça, c'est quelque chose qui est dommage. Puis je pense que de vivre ce racisme-là, cette discrimination-là constamment dans des milieux où j'étais censée être safe, où c'était censé être progressiste, je pense que c'est là que c'est un des facteurs qui m'a poussée à un burn-out
militant. Là. À un moment donné, j'étais comme juste plus capable. Puis c'est pour ça que je suis retournée dans le Nord aussi, parce que j'ai pu à expliquer ma culture, j'ai pu à la justifier, j'ai juste à la vivre. Je la vis au quotidien, je vis mon quotidien en trois langues, donc en criant en anglais, en français. Je travaille en trois langues, ce que je trouve quand même assez fantastique aussi. Fait que, tu sais, pour moi, ici, j'ai pas besoin de penser à ça puis de marcher sur des œufs ou d'expliquer tout puis d'enseigner tout à tout le monde sur mon temps libre. Tu sais, maintenant, mon temps libre, ça se résume à me coucher sur mon divan puis écouter Netflix. Puis, tu sais, comme d'habitude, tu sais, comme quand j'étais à Montréal, je me souviens, il y a des gens qui envoyaient des emails, qui posaient des questions. Tu peux-tu me trouver des recommandations? Tu peux-tu lire mon projet de fin de session? Ça, j'en ai eu beaucoup. Shout-out au département de Société Polycam des étudiants qui m'envoyaient souvent leur projet ou voulaient m'interviewer. Puis, en fait, des choses qui n'étaient pas rémunérées non plus. Donc, moi, j'étais là à me pousser par-dessus mes limites constamment en vivant des expériences racistes, mais en le faisant bénévolement aussi. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai dit, OK, là, je ne peux plus faire du travail bénévole. Tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas née. Je ne suis pas née avec ce savoir-là. Je ne suis pas née en sachant la loi sur les Indiens. Je ne suis pas née. Tu sais, je veux dire, je lis des livres. Puis comme, tu sais, je m'attends à ce que les gens fassent leur part d'éducation aussi. Genre, vous pouvez les lire, les livres aussi. Tu sais, je pense que la littérature autochtone, c'est plus underground. Là. Il y en a tellement beaucoup. Puis, tu fais une simple recherche Google, Best Indigenous Books in Canada, puis tu vas avoir plein de recommandations. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai juste lâché. On dirait que c'est d'être autochtone souvent dans des milieux de gauche, c'était comme pas important, où j'étais tokenisée un peu. T'es tout le temps comme l'autochtone de service. Puis l'autochtone de service, je l'ai été moi-même très souvent, là. Puis ça me tentait plus d'être ça me tentait juste. Et puis pendant tout ce temps-là, je manquais plein de choses à la maison, plein d'opportunités de me réapproprier certains éléments de ma culture, puis d'enrichir mon vocabulaire ancré. Puis je suis contente que là, maintenant, j'ai du temps pour faire ça, puis que je le vis quotidiennement dans ma communauté. Donc, c'est ça. Merci, Maïté. Olivia? Oui, moi aussi, pas mal similaire. J'imagine que c'est comme ça pour beaucoup d'Autochtones. C'est le genre de truc qu'on s'en parle souvent, de le tokeniser. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et maintenant, j'ai commencé à développer un radar quand je rencontre des personnes qui veulent avoir des personnes autochtones dans leur projet, de différencier comme ceux qui veulent vraiment avoir une belle image sur eux après, de diversité, qu'ils ont inclus des personnes autochtones dans leur projet, alors ils sont donc bons, contrairement à ceux qui veulent vraiment donner la voix avec leurs outils qu'ils ont, de partager leur voix pour ceux qui l'ont moins, pour pouvoir dénoncer des injustices qui se passent dans les communautés autochtones. Je me suis, avec quelques années d'expérience dans le milieu de mobilisation puis des sollicitations par-ci, par-là, que j'ai réussi un peu à développer ça. Et comme m'a été aussi, j'ai eu un peu été tannée jusqu'à un certain point de la mobilisation, parce que c'est très demandant, et surtout, tu sais, quand c'est vraiment proche de ta réalité, je sais pas comment les femmes, les familles qui ont perdu une femme font pour continuellement travailler là-dedans, parce que comme beaucoup d'entre nous qui ont vu ça, qui ont vécu ça, c'est très difficile et c'est très demandant, et c'est similaire pour n'importe quelle cause qui sont reliées aux Autochtones. Quand ça te touche directement, c'est très difficile. Alors,
Moi, ce que j'ai commencé à gérer ça un peu, c'est par l'art. J'essaie d'éduquer le monde, soit par mes petites créations perlées ou avec la Wapikoni mobile, comme Holly Picotte, tu étais dans mon film Inuit Languages in the 21st Century. Je voulais montrer toutes les ressources qui sont accessibles en ligne pour pouvoir apprendre l'inuit, mais aussi les difficultés que ça a, étant donné qu'il y a beaucoup de dialectes. Et mon film était tout le long, était filmé, moi qui tape des mots-clés sur Google et qui vois des choses apparaître. Alors, je voulais un peu que les gens comprennent qu'ils peuvent utiliser Google puis qu'il y a des ressources qui sont disponibles et qu'on n'est plus au 20e siècle où il fallait aller dans les bibliothèques à part alphabétisation pour trouver des livres sur des sujets. Il y a beaucoup d'informations qui sont accessibles. Et ce que je trouve vraiment plus concret pour moi et qui me fait du bien, c'est grâce à mon travail de donner des opportunités qui sont pour des Inuits, à la place de me donner à des personnes allochtones pour leur projet ou quoi que ce soit, c'est de trouver des opportunités dont des artistes du Nunavik puissent participer. Alors, c'est ça qui me passionne. Merci, Oli. On va passer à Wapukun. C'était quoi la question? Je te l'ai envoyé dans le chat. Okay. Je vais te le redire. Là. C'est, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences au sein des mouvements auxquels que tu t'es impliqué, quand tu es sollicité de l'extérieur? C'est quoi les bonnes et les mauvaises pratiques? Est-ce que généralement les collaborations, ça se passe bien ou pas? Moi, personnellement, je ne pense pas que j'ai beaucoup d'expérience par rapport à ce sujet-là. Je vais laisser Laura parler, peut-être ça va m'aider. OK, ben, je vais y aller. Ben, comme Wapugun, moi aussi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai quand même vécu. Mettons que je trouvais que ceux qui se présentent comme des alliés, des fois, ils prennent beaucoup de place, puis ils sentent comme s'ils avaient le devoir de parler pour nous autres, genre, mais pourtant, on est capable de parler pour nous, puis je trouvais que c'était pas... on dirait que ça remettait en doute, pas mes connaissances, mais mon implication, là, je sais pas. Fait que... Mais sinon, il y a aussi de très bons alliés qui remettaient un petit peu en place ces personnes-là. Mais sinon, c'est ça. Là. Parfait, merci. Selon vous, de quelle façon les alliés allochtones peuvent-ils venir en appui à vos luttes, Maïté? Read the goddamn book. Non, mais sérieux, comme je disais sans doute, il y a plein de littérature autochtone qui est magnifique, que ce soit de la poésie, que ce soit des essais politiques, que ce soit des nouvelles. Je veux dire, il y a tellement de belles choses, des romans, il y a tellement de belles choses à lire sur les Autochtones, par les Autochtones. Je pense que ça, c'est important. Mais aussi, comment être un allié, je pense que ça... Ben, je pense qu'il faut, tu sais, je veux dire, il y a des prises de position par des Autochtones qui peuvent être, qui peuvent créer des malaises, des réactions qui sont quand même assez fortes, mais je pense que le changement ne naît pas dans le confort. Puis je pense que c'est correct de se faire confronter parce qu'après tout, je veux dire, les settlers qui sont ici profitent quand même encore chaque jour, chaque seconde de leur vie de la dépossession de nos territoires, de nos ressources. Il y a encore cette domination-là politique qui nous définit, parce que si on définit un autochtone, il faut le définir par le droit contre le colonisateur. Donc, en fait, tu sais, je veux dire,
On parle souvent de droits autochtones, mais ce sont des droits humains, parce que si on continue à marteler droits autochtones tout le temps, on est limité à ce qu'est, à ce qu'on est décrit comme par, qu'est-ce qu'on décrit par autochtone. Donc, il faut vraiment comme commencer à militer sur le fait que c'est pas juste des droits autochtones, c'est des droits humains. Puis là, je pense qu'on va faire beaucoup de chemin. C'est des droits humains que, mais les autochtones vivent au Canada et dans les autres pays avec un contexte socio-historique qui est différent. Puis ça, il faut l'aborder de plus en plus. Puis tu sais, puis moi, je pense à... mon père avait présenté un projet de loi à la Chambre des communes qui s'appelait C-262 pour l'harmonisation des lois fédérales avec la Déclaration des droits des peuples autochtones de l'ONU. Je me souviens, genre, l'Association nationale canadienne des églises mennonites, ils ont fait des pèlerinages pour le bill, puis genre, sur leur panneau d'église, tu sais, c'était marqué « Indigenous rights or human rights », puis ils ont fait des pèlerinages, genre, à pied de, comme, des centaines de kilomètres avec leur pancarte pour que la Chambre des communes et le Sénat passent le projet de loi. Puis, tu sais, si l'Église mennonite le fait, genre, je pense qu'il n'y a plus personne qui a d'excuses pour rien faire. Tu sais, je m'en souviens, eux autres, l'Église mennonite, ils envoyaient des caisses et des caisses de cartes postales de ce qui pour C-262 au bureau du premier ministre. Genre, ils spammaient le bureau du premier ministre avec des cartes postales pour mettre de la pression sur les élus pour qu'ils passent ces 262. Fait que, on peut être créatif dans nos actions, mais comment être un allié aussi, je pense que le plus vous en apprenez vous-même, moi j'aimerais ça parfois ne pas penser une seule journée, ne pas penser au colonialisme, au pensionnat. Des choses comme ça. T'sais, je veux dire, mon père a fait 10 ans de pensionnat, mes oncles, mes tantes ont fait des pensionnats. Puis j'aimerais ça passer une seule journée sans penser à ça. Puis genre, the right to joy, que la blonde à mon père l'appelle, c'est ça, the right to joy. Puis je pense qu'être heureux en tant qu'autochtone, c'est une petite révolution en soi, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit toujours disponible pour vous donner l'information. Parce que moi, des fois, j'ai juste envie d'être écrasée sur mon divan puis d'écouter Netflix. Puis c'est correct, parce que j'ai le droit. Chaque heure, chaque seconde de mon existence ne se résume pas à être autochtone, comme Olivia disait. Je suis maïté, moi aussi. Je suis une jeune femme de 25 ans. J'aime regarder des films. J'aime consommer de la culture populaire. J'adore les mimes. J'adore rire sur Internet. J'aime le perlage. J'aime aller à la pêche. J'aime aller à la chasse. Puis que ça, j'aimerais ça avoir plus de temps pour faire ça des fois. C'est ça, achetez-vous un livre autochtone, puis je pense que vous pouvez commencer par ça, mais aussi lire des médias indépendants. Allez vous abonner à Ricochet, allez vous abonner à The Rover, qui est par Christopher Curtis. Ces médias indépendants-là sont les seuls qui font vraiment beaucoup de couverture médiatique sur des enjeux qui touchent les Autochtones. Puis pas juste des enjeux tristes, là, qui célèbrent aussi les Autochtones. The Eastern Door aussi, à Ganawagi, qui est un excellent journal. The Nation Magazine, dans lequel j'écris, chez l'écrit. Vous pouvez vous supporter ces médias indépendants, crowdfunded, puis régionaux. C'est super important. Si on veut combattre la merde que Québécois nous vomit à chaque jour, c'est par là que ça passe. Donc, si vous avez un petit 10 piastres à investir à chaque mois, faites-le pour ce genre de journalisme-là. Merci. Une partie de ce que tu viens de dire, c'est ce que je me répète à moi-même dans ma tête à chaque jour. J'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de prendre du temps pour moi. Pourquoi il y a cette pression-là sur nous, les personnes super impliquées, de toujours être sollicitées? Bref, je comprends à 100%. Olivia, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est un peu
Des fois, je n'ose pas le dire, j'ai peur des répercussions que ça peut causer, mais je me rappelle de la manif pour l'environnement où Greta était venue. Et j'étais là avec une amie, Ino, qui a lavé son sac avec la fourrure de phoque. Et on était entourés de gens qui avaient des affiches qui disaient que la seule façon de sauver l'environnement était de devenir vegan. Et moi, en tant qu'Ino, que toute ma vie, genre, j'ai dû comme expliquer aux gens que la chasse, ça fait partie de la tradition et qu'on utilise tous les morceaux de l'animal. Comme, et non seulement après. C'est pas seulement une utilisation, c'est dépendamment des saisons, comme en hiver, en été, c'était un kayak, puis en hiver, c'était un manteau et tout ça. Alors, je ne me sens pas accueillie dans certains milieux environnementaux où je ne sais pas si les personnes qui vont être là ne vont pas avoir le bigger picture sur la chasse, sur le droit des animaux, les luttes véganisme. Et c'est ce qui fait que pour moi, des fois, c'est difficile de m'impliquer dans cet enjeu-là parce que, comme tout le monde, je trouve ça important d'enlever le plastique dans les océans et tout ça. Mais quand je vois des artistes ou des personnes inuites des fois recevoir des menaces de mort par des activistes des droits des animaux pour différentes raisons, ça m'inquiète et des fois aussi, je ne sais pas si je suis accueillie dans ces milieux-là. Alors, si vous êtes part d'un groupe militant de quoi que ce soit, je crois que si oui ou non il y a des Autochtones dans votre gang, mais d'assurer que vos luttes ne soient pas juste une vision, juste un côté de la médaille, parce que surtout aussi dans les luttes environnementaux, les Inuits, ils sont exemple très dans le nord. C'est Sheila Watt Cloutier qui, elle a écrit le livre The Right to be Cold, mais autre que ça, les gens ne sont pas nécessairement au courant des réalités qu'il y a vis-à-vis les changements climatiques dans le Nord. Et oui, c'est ça. Alors, d'ouvrir comme les horizons des luttes que vous, dans votre quotidien, vous mobilisez pour. Merci. Merci. Puis honnêtement, ne sois pas gênée de dire ça parce que tu n'es pas la seule. Je pense ça. Moi aussi, je le pense. Donc, sois vraiment pas gênée. On n'a pas à se retenir de dire quoi que ce soit. On l'a fait assez longtemps. Wapukun, as-tu quelque chose à ajouter? J'aurais juste à dire, moi, par exemple, dans les offres d'emploi, on est souvent mis dans les minorités, avec les handicapés, les autochtones, ça, juste ça, là, ça donne pas envie d'aller travailler à cet endroit-là. Ou on m'invite souvent à aller travailler dans un endroit, mais juste ça, là, quand j'ai vu ça, ça m'a juste donné pas envie ça m'a pas donné envie d'aller là. Puis souvent, moi, quand le monde, oh, viens travailler pour nous, moi, je dis souvent, j'ai pas envie de travailler pour vous, mais j'ai envie de travailler avec vous. Hein? C'est la manière de le faire, comment approcher. C'est aussi simple que ça. C'est la manière d'être, c'est d'humain à humain, pas de race. Je sais pas. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience. Je suis chez nous, puis ici, je suis bien, puis en tout cas, mais c'est ça. C'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Merci. Laura? La question, c'est sur les alliés, c'est ça? Oui. OK. Comme Olivia disait tantôt, par rapport à la manif avec Greta, il y avait eu beaucoup d'affaires qui sont passées parce que là, tout le monde voulait être au front, puis il voulait être à côté de Greta, puis il y avait eu des Autochtones du BC qui étaient venus aussi, qui s'étaient fait pousser par des Blancs, justement, parce qu'eux autres, ils voulaient être
dont être devant avec Greta. Puis il y avait aussi des coordonnateurs de l'événement qui avaient mis en place un safe place, mais tu sais, c'est... On dirait que ça... Enfin, c'est vraiment autre qui avait mis ça en place. Mais je pense que, comme tantôt, comme je dis, on ne devrait pas se faire comme... Genre, le rôle des alliés, ça devrait être d'amplifier nos voix, dans le fond, pas de nous l'apprendre. Fait que c'est ça. C'est le fait. Merci. Maintenant, je vais inviter les participants à nous poser vos questions dans le chat. Entre-temps, je veux vous laisser l'espace, les filles, si y a quoi que ce soit que vous voulez partager à propos de votre communauté, de votre territoire, peu importe, c'est le moment de prendre la parole. Si vous voulez nous partager quelque chose, après, on va passer aux questions. Ben, je vais y aller. Moi, ce que je répète souvent dans les rencontres ou par rapport à moi, un de mes plus grands rêves, c'est de vivre comme mes ancêtres, d'aller sur le territoire, de parcourir tout le chemin qu'ils ont fait, de voir ce qu'ils ont vu, d'être, de ressentir ce qu'ils ont vécu. Ben, pour moi, ce serait honorer toute cette histoire coloniale qu'on a vécu, puis ce serait juste, je sais pas, un retour à ce qui devrait être. Je sais pas comment l'exprimer parce que le français c'est ma deuxième langue, mais comment dire, mais en tout cas, les réponses à toutes nos questions au changement climatique, on est quand même un peuple qui a mal, qui est blessé par rapport à tout ce qu'on vit, là, puis. Pour moi, toutes les questions, toutes les réponses se trouvent sur le territoire, dans la nature. Puis, je ne peux pas comprendre comment on peut détruire la Terre ici pour aller visiter d'autres planètes alors qu'on ne peut même pas prendre soin de notre planète ici. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais... c'est sûr, j'aurais beaucoup à dire, mais je ne suis pas quelqu'un comme Maïté qui parle. Mais... Je suis plus quelqu'un qui écoute, qui observe. Puis... Mais en tout cas, moi, j'ai juste hâte qu'on retourne à la Terre et de vivre un peu comme nos ancêtres vivaient, en harmonie. Tous les peuples autochtones. Puis un autre de mes rêves, ce serait d'organiser un gros rassemblement avec toutes les nations sur le territoire, puis de juste partager nos cultures, puis de juste être là, de vivre... pleinement nos cultures, puis c'est ça. OK, next. Il me semble, moi, Bokun, Laura, il y a quelque chose d'assez fun qui se passe sur votre territoire par rapport à une rivière. Là. Je ne suis pas une experte sur le sujet, je ne sais pas si une de vous deux a envie d'en parler. OK, oui, c'est la reconnaissance des droits de la rivière MacPay auquel je travaille, puis c'est un peu pour faire comme dans d'autres pays, là, les Maoris qui ont reconnu un droit à la rivière, les Hawaïens qui ont reconnu un droit à un mont. Puis c'est pour contrer un peu ce que Hydro-Québec fait à nos rivières, de mettre des barrages, puis d'aller vendre ça dans d'autres pays, l'énergie. Là, puis c'est pour pas avoir un autre projet comme la Romaine puis qui détruit nos rivières, puis parce que l'eau c'est la vie, puis c'est grâce à ça que plein de comme le saumon, les plantes médicinales sont vivants, puis en tout cas moi j'espère que en tout cas je trouve que le Québec est pas mal en retard sur beaucoup de choses comparé à ce qui se passe ailleurs dans l'Ouest ou dans d'autres parties du monde, puis moi j'ai juste hâte que tous les peuples autochtones du monde on se réunissent, puis qu'on reprenne notre place là. Je sais pas comment l'exprimer, mais ouais, c'est ça. Mais c'est une belle réussite, ça donne de l'espoir en tout cas.
quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Ben moi, je voulais ajouter sur ce que Wabukun disait sur prendre soin des rivières, prendre soin des... Je veux dire, nous, dans nos, chez les Cris, on n'a pas de creation story. Je veux dire, on est... En fait, c'est qu'il y a une grande araignée qui est sortie du ciel, des étoiles, puis qui a emmené les humains sur la Terre, mais la Terre, elle était déjà là. Puis, tu sais, moi, je considère les rivières comme étant ces networks of life, ces réseaux de vie-là, dans lesquels on a, envers lesquels on a des responsabilités, parce que, je veux dire, il y a une force qui tient tout ça en équilibre. Dans ma langue, on l'appelle Mando. Mando, c'est pas un bonhomme là, qui descend du ciel avec des cheveux blancs. Là. Mando, c'est un terme qui est dur à traduire. Puis on a aussi Ajax. Ajax, c'est une des deux esprits des humains, mais ça peut aussi permettre, ça peut aussi recouvrir ces réseaux de vie-là. Un peu comme le concept de mana chez les Polynésiens. Il y a une énergie qui couvre tout. Mais Mandu, puis la Terre, nous donne tout. Nous a donné tout pour survivre. Nous a donné les animaux, nous a donné les rivières, nous a donné le métal, nous a donné les minéraux. Puis on a des responsabilités pour garder cet équilibre-là. Mes ancêtres faisaient l'extraction de la roche, faisaient l'extraction du métal, mais on le faisait de façon qui était pérenne, on le faisait de façon qui ne détruisait pas, qui ne causait pas des catastrophes naturelles comme on le voit aujourd'hui, des catastrophes environnementales, excusez-moi, mais puis ce concept-là d'opérer Mando, c'est quelque chose à quoi je me ramène souvent quand je vais dans le territoire, quand je vais cueillir de la médecine, quand je transforme le territoire pour mettre un camp, qu'est-ce que je donne en retour à cet équilibre-là puis à ces réseaux de vie-là qui font que je puisse exister, tu sais. Puis c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que mes ancêtres le voyaient aussi. Puis mon grand-père a dit dans les années 70, quelques années avant de mourir, les jeunes Cris devront apprendre à pas à vivre comme les Blancs, mais devront apprendre d'autres façons de vivre en tant que Cris. Puis moi, c'est comment je marche entre ces deux mondes-là, puis comment être un être humain contemporain avec des savoirs qui sont millénaires. Puis c'est essayer de faire du sens dans ma vie, puis créer cet équilibre-là à l'intérieur de moi, mais à travers mes actions aussi. Merci, Maïté. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions des gens? Tout est beau? Voilà, je veux savoir, les filles, est-ce que Québec, ça veut dire là où le fleuve se rétrécit dans votre langue? Pas dans la mienne, en tout cas. Ça veut pas dire ça en inou. Ouais. Québec. Ben, en inou, Québec, ce serait Wabushtogouyon, mais Québec, j'ai entendu dire que ça aurait pu dire débarquer, mais je sais pas. OK, donc on a des questions. OK. C'est comme j'ai envie de répondre, mais là, je suis là pour animer, puis je vais vous laisser la parole, mais les genres de questions qu'on est habitué d'entendre. Hein. Donc, on y va. Il y a Nathalie qui nous demande comment faire pour inclure des femmes autochtones dans des mouvements écologistes
sans que ça soit perçu comme opportuniste. Là, je vous laisse aller. Ben, moi, ça me fait rire, ces questions-là, parce que tu dirais pas ça, genre, d'un Asiatique. Tu dirais pas ça d'une personne noire. Tu sais, je vois pas en quoi. Tu sais, c'est juste inclure ces personnes-là. Laisse-les les personnes autochtones, invite-les, reach out aux organismes autochtones, créer des partenariats, je veux dire, fait juste côtoyer des autochtones. Tu sais, souvent, je pense que c'est le malaise de comment les gens ont à comment nous aborder. Tu sais, souvent, on dit, y a des gens qui me disent, mais là, je fais quoi pour pas être impoli envers toi? Je suis comme, hey, je viens pas genre de notre planète. on vit au Québec les deux, quand même. Mais je pense que c'est, faut vraiment casser dans l'œuf vraiment cette espèce de d'awkwardness qui entre dans les communications. Là, fais juste nous inviter, faites juste genre passer du temps avec nous, comme. Puis je pense que c'est vraiment en côtoyant des Autochtones, les gens voient bien que c'est pas, je veux dire, oui, on a des particularités, mais c'est pas si difficile que ça de nous parler. Là. Donc, fais juste le faire, puis soyez sincères dans vos démarches. Puis je pense pas que si tu veux inviter des Autochtones des organismes autochtones à participer à des projets écologistes, je pense que ça fait juste du sens, puis c'est pas opportuniste. Et si tu invites juste une personne pour faire de la diversité, là, c'est un problème, par exemple. Quelqu'un qui veut rebondir là-dessus? Okidou, je continue avec les questions. Prochaine question de Climate Justice. En plus des enjeux du système colonial, avez-vous des expériences avec les enjeux patriarcales qui persistent dans vos cercles et vos communautés? Ah, c'est la vie, ce monde dans le patriarcat. Si quelqu'un veut répondre à ça? Si vous cherchez, la question est un peu plus en haut, là. Ça se défile. Bon, on n'est pas obligé de répondre de toute façon, on n'est pas obligé de rien. Donc, si personne n'a rien à dire, c'est correct. Si ça vous va, je vais passer à la prochaine. Marie-Claude. Quelle est la meilleure porte d'entrée pour rentrer en contact avec les communautés autochtones? Parenthèse, elle va être candidate aux prochaines élections. Bien, tu peux commencer par appeler les communautés qui sont dans ta circonscription. Ça, c'est un bon... Mais tu sais, faut pas que tu skippes d'étape. Faut vraiment que tu ailles voir le leadership avant, genre. Tu peux pas débarquer dans une communauté, genre, par du porte-à-porte. « Salut, la gang! Je me présente aux élections! » Ben, tu peux, là, mais genre, le monde va être comme « OK, mais t'es qui? » Fait que, tu sais, genre, je pense que c'est important c'est toujours important de passer par le leadership en premier. Chez nous, chez les CRI, c'est ce que les gens font souvent. Ils vont rencontrer le gouvernement de la nation CRI avant de rencontrer les communautés. Le Grand Conseil des CRI, le gouvernement de la nation CRI va juste faire un gros meeting avec tous les chefs de toutes les communautés. Mais il ne faut pas skipper d'étapes, je pense. Mettons, tu reach out à une personne dans la communauté puis tu t'attends à ce que genre elle te fasse entrer dans la communauté, c'est un peu impoli. Fais sûr que ta présence dans la communauté, que le monde sont au courant, qu'est-ce que tu vas faire là, puis c'est quoi tes intentions. Si ton intention c'est d'aller chercher des votes, ben sois bien à l'aise de dire, bien franche de dire, je veux dire, je pense que
ben c'est ça. C'est comme ça, on va pas te, on va pas te reprocher ça, tu es là pour ça. Donc, dis-le très bien franchement aux gens, puis annonce ta plateforme, puis essaie d'expliquer ta plateforme au monde. Mais tu sois sûr que la communauté s'en charge et non que tu rentres dedans. Olivia, je t'avais vu enlever ton micro. Est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Maïté a tout dit. Bon. Parfait. J'ai ma collègue qui demande, elle a beaucoup aimé entendre les rêves de Wapukun. Elle voudrait savoir c'est quoi vos rêves à vous autres, les filles? Moi, là, je suis une grande fan des films de super-héros, là, de Marvel et tout ça. Des films futuristiques, Final Fantasy et tout ça. Moi, j'aimerais ça en voir des versions Inuit, autochtones. Et je sais que c'est possible, tu sais, ça a pris du temps, mais comme ils ont réussi à faire Wakanda pour les personnes issues, les personnes afro-américaines, afro-africaines. Et j'aimerais ça en voir des versions autochtones, des films futuristiques, mais comme plus proche des valeurs et des cultures autochtones, de comment nous, on aimerait envisager comme le futur ou comme les super pouvoirs ou différentes affaires de même. Moi, j'ai toujours... j'adore les films, alors je dis toujours oui à des films sur les réalités autochtones, mais je préfère davantage des films réalisés par des autochtones que des films réalisés par des non-autochtones sur des sujets autochtones. Je remarque la différence, je remarque la qualité, la différence dans la qualité. Et ça, c'est quelque chose que j'aime voir, qui me rend heureuse et que je veux en voir plus. Cool. Je vais passer à la prochaine question d'une amie et collègue. Elle demande. J'aimerais savoir ce que vous pensez du rôle que les femmes autochtones auraient à jouer dans le racisme. Étant une femme inoue vivant en milieu urbain, y a-t-il un moyen de construire un milieu dans lequel on pourrait se sentir de plus en sécurité sans s'engager dans un combat pour lequel on n'a pas nécessairement l'énergie? J'essaie moi aussi de penser à une réponse. C'est quand même une question complexe, hein? Je pourrais prendre le temps de la lire doucement. Ben, je suis partie de Montréal parce que je me sentais pas safe. Puis fait que j'ai pas la réponse à ta question. Moi, à l'époque, j'avais pas réussi à m'entourer d'une communauté qui était saine à Montréal. Puis, tu sais, je veux dire, dans les milieux militants, même autochtones, il y a du drama, puis il y a des choses comme ça. T'sais, je veux dire, on n'est pas immunisé là, à ça. Mais je pense que ce qui a fait vraiment toute la différence, c'est vivre avec, si t'es en colocation, vivre avec des personnes, des femmes noires, autochtones ou assisées. C'est vraiment te faire un support system de network. T'sais, moi, j'avais réussi à trouver une psychologue qui était autochtone à Montréal. Mon social worker était autochtone aussi. Donc, tu sais, vraiment, ces points d'ancrage-là, je pense que ça m'a aidé vraiment beaucoup à naviguer certains systèmes, dont le système de santé, les altercations avec la police, le profilage racial. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis je pense que suffit de d'aller cogner aux bonnes portes, mais je sais que chez Native Montreal,
chez Projet Autochtone du Québec. Puis eux autres, ils ont toutes les ressources que tu pourrais avoir besoin. Puis maintenant, il y a plein de groupes Facebook de femmes qui sont issues des communautés marginalisées que tu peux entrer en contact avec. Donc, je pense que ça, vraiment être forte dans son quotidien, ça l'aide vraiment beaucoup. Le but, c'est de te protéger au maximum. Puis être sûr que tu as un entourage avec toi qui va être ready to throw hands if needed. Mais plus sérieusement, il faut vraiment que tu te sentes forte et en sécurité dans ta maison. Construis-toi un safe place, que ce soit ton appartement, que ce soit chez une amie. Tu sais, vraiment, va construire ce petit cocon-là de sécurité, puis après, tu sais, construis autour de ça. Moi, ça m'avait aidé. Pas complètement, mais moi, j'ai juste décidé de comme abandonner. J'ai dit, moi, je m'en vais. Est-ce que une panélise a quelque chose à ajouter? Vous pouvez me faire signe de la tête, ça va m'aider. Non? OK. On a une question super intéressante. Olivia, puis d'ailleurs, je voulais le rajouter dans les questions, puis après ça, j'étais pas sûre si on allait avoir le temps. À propos, bon, en tout cas, on te demande de parler de la place de l'art dans ta vie. Est-ce que toi ou les autres panélistes considérez que l'art a une place, un pouvoir dans la décolonisation? Et si oui, laquelle? Je rajoute appropriation culturelle si quelqu'un a envie d'en parler. Donc, voilà. Oui, bien, Oli Pika et moi, on sera au Festival Transamérique pour la pièce de théâtre à l'API. Et la pièce de théâtre, en fait, est super simple. C'est juste, je ne vais pas vous dire le punch, là, mais venez nous voir. Mais en tout cas, la pièce de théâtre en soi n'est pas militantiste, c'est pas la mobilisation ou quoi que ce soit, mais le fait qu'on puisse... être des femmes autochtones sur scène et dans toute la pièce. Et souvent, après la pièce, on a des questions avec le public et souvent, c'est des fois, les gens ne sont pas habitués nécessairement à ça. Même si la pièce de théâtre en soi n'est pas d'objectif de politique, de reprendre une place comme ça, que les gens qui soient venus voir de l'art, mais le fait qu'on puisse être là, faire du théâtre, c'est en soi une sorte de décolonisation. Même si, exemple, le théâtre en tant que tel, comme on le connaît aujourd'hui, ne fait pas partie de la tradition inuit, mais de plus en plus, d'Inuits veulent ouvrir leurs horizons sur des différents types d'art qui ne sont pas nécessairement traditionnels. Et maintenant, il y a le troupe de cirque du Nunavik, il y a des ateliers qui sont en création dans le Nunavik. Il y a de plus en plus d'Inuits qui veulent s'impliquer dans le processus de commissaire d'exposition. Alors, je pense que oui, l'art... Que ce soit dans l'objectif politique ou pas, c'est une forme de décolonisation qu'on reprenne, qu'on prenne notre place unapologetically. Je ne sais pas comment dire ça, mais oui, sans se soucier de ce que les gens vont penser, tout ça, mais de dire qu'on est là parce qu'on a droit, nous aussi, de prendre cette place-là dans le milieu artistique. Oui, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Comment ça va? Vas-y. Non, vas-y. OK. Moi, j'ai envie de dire que dans la question, c'était par l'art, décolonisé par l'art, c'est ça un peu? Ben, moi, je pense que c'est la voie parce que ça se fait déjà, puis... Comme j'ai dit, moi, ma mère est poète, puis par sa poésie, elle raconte notre histoire. Puis, franchement, moi, je préfère
regarder, écouter, lire de l'art que de lire un papier qui parle de je sais pas quoi, là, bah, en tout cas. Moi, l'art. J'écouterai les artistes que... Je préfère écouter des artistes que des politiciens, en tout cas. J'aurais envie de suivre des artistes plutôt que des politiciens, en tout cas, c'est ça. Je vais rajouter quelque chose aussi. Tu sais, je pense que c'est grâce à des Rita Mestokosho, comme la belle maman de Wabugun. C'est grâce à des Joséphine Bacon. C'est grâce à des Katharina Vermette. C'est grâce à des Natasha Canapé-Fontaine. C'est grâce à des, je dirais, à toutes ces femmes poètes-là. Mais aussi Billie Ray Belcourt qui est Two Spirits. C'est grâce à ces poètes-là qu'on a, que les gens connaissent nos visages, ben, reconnaissent nos visages, mais aussi connaissent nos mots. Je pense qu'en ce moment, le problème au Québec, c'est que dans les médias, oui, il y a une petite présence autochtone, mais cette présence-là autochtone, dont je fais partie souvent. Tu sais, moi, je me fais inviter souvent dans les médias parce que, justement, j'ai pas d'accent en français puis j'en ai pas en anglais. Puis ça passe mieux. Ça passe mieux. Je suis issue d'un mariage mixte. J'ai des traits qui sont pas très... Tu sais, je veux dire, ça saute pas aux yeux que je suis crée, là. Faut que tu le saches, là. Mais, tu sais, je veux dire, je pourrais passer pour d'autres origines. T'sais. Donc, c'est pas super confrontant pour les Québécois de me voir à la télévision parce que je suis dans les stéréotypes exotiques un peu là, de beauté. Donc, mais je pense que plus on va avoir d'artistes à la télé puis qui vont s'exprimer à la télé, à la radio, plus on va voir des visages autochtones, plus on va entendre des accents autochtones, plus on va voir des corps autochtones. Je pense qu'on va faire du progrès parce que les gens, si je veux dire, les gens maintenant ne connaissent, moi je ris tout le temps, je dis à Radio-Canada, pour Radio-Canada, il y a 3 autochtones. C'est toujours les mêmes, c'est toujours des personnes qui, comme moi, sont pas mal issues de mariages mixtes et qui n'ont pas d'accent. Là, de plus en plus, on commence à en avoir, mais pendant longtemps, ça a été ça. Puis je pense qu'on n'avancera pas si on se connaît pas. Tu sais, moi, je veux dire, nous, en autochtone, on connaît nos accents. Là. Quelqu'un qui roule CR, je sais qu'il vient de Manawan. Quelqu'un qui parle, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui parle comme Waswanipi, on reconnaît l'accent. Puis nous, entre nous, on se connaît parce qu'on est attentif à ces choses-là puis qu'on les apprécie, nos accents. Mais je pense que c'est au Québec. Puis si souvent au Québec, on parle de l'accent du Saguenay, on parle de l'accent du lac Saint-Jean, de l'accent de la Gaspésie, mais l'accent des Atikamekw, l'accent des Innus, l'accent des Cris, elle n'est pas célébrée. Puis c'est dommage parce que on s'exprime de façon tellement descriptive, on s'exprime de façon tellement posée. Tellement de façon calme aussi, tellement de façon, d'une façon qui est tellement différente de ce que je vois à TVA, mettons. Puis je pense que le Québec, mais partout au Canada, on gagne à connaître ça. Voilà. Ouais, puis pour rebondir sur ce que tu dis, tu sais, il y a des langues autochtones que c'est pas genré, tu sais, il n'y a pas de genre. Fait que des fois, quand on les entend parler en français, ben ils vont pas dire elle ou il, tu sais. Puis des fois, il y a du jugement par rapport à ça, mais il faut pas, là, avoir du jugement par rapport à ça. C'est comme ça, c'est la langue du territoire, puis c'était pas genré. Ouais, j'aimerais rajouter de quoi sur ça, parce que au Québec, je comprends l'historique de la domination des anglophones par-dessus les francophones, mais moi, quand je retourne au Nunavik, parce que je parle bien français, les travailleurs du Sud sont beaucoup plus gentils avec moi, sont beaucoup plus polis avec moi.
Ils ne vont pas parler dans le dos des Inuits à côté de moi, mais des fois, genre, il y a des Inuits qui comprennent le français, mais qui ne vont pas le dire plus ouvertement, mais qu'ils peuvent comprendre quand il y a du monde, des travailleurs qui montent dans le nord et qui vont parler contre les Inuits dans les lieux publics. Et aussi, une des choses qui est un peu double standard, c'est qu'on m'a souvent félicité pour bien parler français, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver des ressources pour pouvoir réapprendre ma langue. Je réapprends des bribes quand je retourne dans le Nord, mais ici à Montréal, maintenant, depuis quelques années, il y a des cours qui se donnent, mais... une des raisons de pourquoi je parle bien français, c'est parce que je n'ai pas eu tant accès à ma langue en commençant à vivre à Montréal. Merci. On a une dernière question de quelqu'un qui est anonymous, mais ma collègue me l'a envoyé. Je cherche depuis un petit moment un endroit pour me procurer des bijoux, pièces artistiques autochtones à Montréal. Est-ce qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'appropriation? Vous pouvez plugger des noms right now. Instagram, c'est vraiment le best place. Les artistes autochtones utilisent beaucoup Instagram pour vendre leurs bijoux. Je peux écrire quelques noms. Dans le convo. Ouais, moi puis Olivia, on fait des trucs. Olivia, tu peux marquer ton, si tu veux, ta page dans le chat, puis je peux marquer la mienne dans le chat. Ça ressemble à ça, les filles, pour ce soir. Merci beaucoup de votre présence. C'est très apprécié. Puis merci aux personnes qui sont venues nous écouter ce soir. Donc, voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Allez prendre soin de vous. Puis, enjoy. Bon repos et bon week-end. Oui. Merci. Yeah.